Salut, je m'appelle Frère Lémarc. J'aimerais prendre quelques instants de votre temps pour vous accueillir à l'église. Nous aimerions partager avec vous une partie de les mesures sécuritaires que nous avons mises en place pour vous garder en sécurité et en bonne santé pendant votre temps d'adoration. D'abord, une fois que vous arrivez à l'église, vous allez remarquer qu'il y a une file d'attente à l'extérieur. Nous vous demandons simplement de respecter les 2 mètres de distanciation sociale pendant que vous attendez en ligne. Une fois que vous arrivez, assurez-vous d'avoir vos masques avec vous. Et assurez-vous de le placer correctement couvrant votre nez et votre bouche. Veuillez ne pas porter vos masques comme ça. Assurez-vous que votre nez et votre bouche sont correctement couverts. En arrivant à l'église, nous vous demandons d'utiliser les désinfectants pour les mains mis à votre disposition. Appuyez simplement sur le bouton et une fois avoir le gel d'alcool, essuyez-le simplement sur vos mains. Continuez de vous frotter les mains jusqu'à ce qu'il sèche. Cela pourrait prendre quelques secondes. Après, nous vous invitons à continuer le chemin. Vous remarquerez les endroits où vous devez vous arrêter. Une fois que vous arrivez à l'entrée, quelqu'un vous accueillera. Ils seront là pour vérifier la confirmation de votre inscription que vous avez reçue par email. Ils auront votre nom et les noms des participants de votre domicile sur la liste. Assurez-vous de vous arrêter ici pour confirmer le tout. Ils vous en fourniront des instructions et par la suite, vous pouvez entrer dans le sanctuaire. Par contre, avant d'entrer dans le sanctuaire, nous invitons d'utiliser les toilettes et remplir votre bouteille d'eau. Une fois que vous êtes à l'intérieur, nous te demandons de rester à vos sièges afin d'éviter de vous déplacer de nouveau. Allons-y dans le sanctuaire. Remarquez certains des changements qui ont eu lieu. En entrant dans l'église, vous remarquez que nous avons placé sur la table à l'arrière la boîte de la dîme ainsi qu'une assiette pour l'offrande. Vous pouvez les utiliser pour mettre les enveloppes de dîmes et offrandes ainsi que vos requêtes de prière. Vous pouvez les préparer pendant que vous attendez à l'entrée. Par la suite, nos huissiers vont vous diriger vers vos sièges. Suivez-moi. Vous remarquerez que nous avons placé un ruban vert sur le bord de chaque siège. Cela identifie où vous pouvez vous asseoir. Nous vous demandons de rester assis dans cet endroit. Pendant l'adoration, nous vous invitons à adorer. Se tenir debout, taper et lever les mains au Seigneur. Vous pouvez même sauter à l'endroit qu'il vous est assigné. N'oubliez pas de rester le plus près possible à votre siège. Respectez la distanciation sociale. À la fin du service, il n'y aura pas une invitation de venir à l'autel. Par contre, tout le monde sera invité à prier là où ils se tiennent. À la fin du service, nous quitterons par section. Veuillez suivre les instructions de votre huissier afin de savoir quand sortir. Nous vous remercions beaucoup d'avoir pris le temps pour regarder cette vidéo. Nous prions que les informations présentées dans ce vidéo vous aident à vous préparer pour le service d'adoration à l'église à partir de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse.